Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live, donc j'ai l'impression que c'est encore un exercice nouveau pour moi, alors que ça a été un exercice fait déjà. J'avais envie de vous faire cette vidéo tout simplement parce que j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a inspirée justement hier sur des remarques que j'ai eues quand j'étais enfant. Et qui ont été assez remuantes pour moi. J'ai pris du temps à me dire si j'allais en parler ou pas, et il me semblait que c'était important parce que mon intention est tout simplement que cette expérience que j'ai vécue, qui a été lourde, pesante, et malgré tout très constructive pour moi, bien sûr, puisse contribuer à vous aider. Voilà, mon intention à travers cette vidéo, c'est justement de vous offrir les bienfaits, les fruits de cette expérience. Et je souhaite en tout cas que ça vous évitera de faire des gros détours, quand bien même l'expérience est toujours riche et juste. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu pas mal de remarques quand j'étais enfant, comme quoi que j'étais quelqu'un de difficile et j'étais quelqu'un de compliqué. Et c'est des remarques et des jugements qui m'ont suivi assez longtemps, on va dire. Parce qu'il ne s'agit juste pas de ma famille, mais ça peut être aussi dans une relation de couple que j'ai eue, en l'occurrence, où j'ai reçu ces remarques-là. Tu es compliqué, avec toi c'est toujours compliqué, tu es vraiment quelqu'un de difficile, tu es pas facile à vivre. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, pour moi, ça a été super compliqué de recevoir, d'avoir ces impacts de ces remarques-là. Parce que du coup, j'ai grandi en me disant que j'avais un problème, que je n'étais pas quelqu'un de bien, que j'étais pas quelqu'un de convenable, vu que j'étais quelqu'un de difficile et compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on reçoit ça? C'est sûr que ça ne contribue absolument pas et ça écrase notre, en tout cas moi, ça m'a écrasé ma confiance en moi et mon estime de moi. Parce que ce que je suis, à l'image de l'autre et de ce que me renvoyait ma famille, était que j'étais quelqu'un de difficile et compliqué. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que ça a créé en moi? C'est tout simplement que j'ai mis tellement d'années à faire en sorte que ces gens-là qui sont ma propre famille ou cette personne avec qui j'ai vécu, j'ai tellement voulu qu'ils changent d'avis, j'ai tellement voulu qu'ils aient d'autres propos sur ma personne. Mais cette réparation-là m'a coûté énormément cher, en fait, parce que je me suis pliée en quatre pour plaire à l'autre. J'ai été dans le, j'ai renié ma propre personne, j'ai renié mes besoins, j'ai renié qui j'étais pour plaire, pour faire en sorte que l'autre m'aime, pour faire en sorte que l'autre ait d'autres propos à mon égard que ces mots-là, en fait. Et je vais vous faire une confidence, tous mes élans, tous mes efforts ont été vains. Ont été vains. Et en fait, ça a été compliqué parce que c'est compliqué déjà d'être en contre-nature avec soi-même, avec ce qu'on est, et d'aller courir après quelque chose dont on n'a aucune mainmise, qui est l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas avoir une influence quelconque sur l'autre. Donc c'est une démarche qui est longue et qui m'a coûté cher, en fait. Et là, j'ose exposer, je vais vous livrer ça parce que c'est super important. Je souhaite vraiment que cette vidéo puisse contribuer à ce que ce ne soit pas le cas pour vous. C'est que je suis allée jusqu'à choisir une personne avec qui j'ai vécu 10 ans, tout simplement parce que cette personne correspondait à ma famille, en fait. Et tout ça dans l'espoir de dire, waouh, ok, par projection, peut-être que moi aussi on va m'aimer, peut-être qu'à travers ce choix, on va dire, ah, ça y est, elle c'est quelqu'un de bien. Non, en fait. Parce que c'est difficile de se mettre au sacrifice de quelque chose qui ne répond pas à votre cœur, tout simplement. Et 10 ans, c'est long. 10 ans de ma vie, c'est long. Et suite à ça, justement, j'ai osé, à partir de là, j'ai compris que cette quête était vaine et qu'il était temps pour moi de me reconstruire. Et en fait,
Ce qui est aussi important de vous dire, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la bascule entre avant et maintenant? C'est tout simplement parce que il y a vraiment eu une période de ma vie où cette remarque était devenue une vérité à l'intérieur de moi. J'étais convaincue que j'étais quelqu'un de difficile et compliqué. Et plus j'en étais convaincue, plus j'en vibrais à l'intérieur de moi et plus les gens à l'extérieur de moi me le disaient. Et donc, du coup, le résultat, c'est que du coup, j'ai eu des relations de couple qui me validaient justement que j'étais quelqu'un de compliqué. Jusqu'à ce que je change, jusqu'à ce que je prenne conscience. Et là, effectivement, aujourd'hui, je ne suis plus câblée sur ce propos-là parce que ma vibration a changé, parce qu'il y a une réelle prise de conscience, parce que au-delà de la prise de conscience, il y a des actes, il y a des positionnements qui ont été faits qui fait que mon regard vis-à-vis de moi-même a changé et le regard de l'autre a changé également. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quand quelqu'un vous dit tu es compliqué, tu n'es pas quelqu'un de facile à vivre, avec toi c'est toujours difficile et toujours compliqué. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous entendez ces propos-là, gardez bien à l'esprit que ce que dit la personne lui appartient. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose ou quelqu'un pose, parce que là, la personne pose un jugement sur vous. Ce n'est pas parce qu'une personne pose une remarque et un jugement sur vous que ça veut dire que cela est vrai. Cela est vrai pour la personne. Mais il est important à partir de là que vous appreniez à vous connaître. Qui vous êtes? Est-ce que vous pensez vous-même que vous êtes quelqu'un de compliqué? Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un qui est difficile à vivre? Si la question est non, alors ne remettez pas en cause ce qui est à l'intérieur de vous. Restez connecté et ancré avec votre propre vérité. La personne en face de vous a sa vérité et c'est OK. Si vous ne la comprenez pas, cette vérité-là, vous avez la possibilité de venir vers la personne et lui demander en fait. OK, tu as émis une remarque qui me touche. La question, c'est en quoi est-ce que tu penses que je suis quelqu'un de difficile et compliqué? Et à ce moment-là, vous auriez la réponse. Et vous allez voir à 90% des cas, par expérience, que quand quelqu'un vous dit que vous êtes compliqué et difficile, c'est parce que la personne, ce qui est compliqué pour la personne, c'est quoi en fait? Ce qui est compliqué, c'est que vous n'adhérez pas à son monde. Ce qui est compliqué pour cette personne-là, c'est que vous soyez différent, vous pensez différemment, vous ne voulez pas rentrer dans son moule en fait. Et c'est ça qui est compliqué pour la personne. Donc quand une personne vous dit que vous êtes difficile et compliqué, il ne s'agit pas de votre personne. Il s'agit de l'incapacité, à quel point c'est compliqué pour la personne de vous réduire et de vous mettre dans son panier. Il y a une forme de manipulation hein, dans cela, parce que c'est une forme, une façon de contraindre l'autre à fédérer, en fait. Donc, c'est important de remettre les choses à leur place en réalité, parce qu'une fois que vous avez conscience de ça, vous allez voir que chaque fois que vous allez être confronté à cette situation-là, vous allez pouvoir remettre les choses à leur place au lieu de le prendre et de vous impacter personnellement, vous remettre en question personnellement, ou pire encore, comme moi, j'étais convaincue que j'étais quelqu'un de difficile parce que c'est quelque chose qu'on m'a tellement répété, ça c'est un fait. La deuxième, c'est que j'étais en incapacité de dire que ce n'était pas vrai. Contrairement à aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, je suis comment dire, totalement connecté avec ce que je suis. Et justement, aujourd'hui, j'ose dire non, ce que tu dis là, je l'entends, c'est certainement ta vérité, mais je ne peux pas la recevoir. Voilà. Et justement, quand je dis ça rejoint vraiment Krishnamurti qui avait dit quelque chose qui me touche profondément, c'est que personne ne peut te faire du mal si tu ne l'autorises toi-même. C'est d'une telle puissance. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement en train de nous dire quoi en fait? C'est que peu importe ce que les gens peuvent dire sur vous, vous vous en sentirez blessé que si vous recevez ça dans votre espace de vie, dans votre monde à vous. Vous êtes le seul à avoir le dernier mot sur quoi que ce soit qu'on puisse dire. C'est à vous de dire, ok, est-ce que j'ouvre les étaux? Est-ce que je prends ou je ne prends pas? Est-ce que ce qu'il dit est vrai
et c'est intéressant pour moi et je le récupère. Ou est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai et je ne le récupère pas du tout? Ou est-ce que ce que dit l'autre, au final, a une vérité, renvoie quelque chose qui, ça me renvoie quelque chose, ça touche quelque chose chez moi et peut-être que je peux m'en servir pour m'aider à grandir, pour m'aider à ouvrir mon cœur, pour m'aider à ouvrir ma conscience. Et là, c'est autre chose encore. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Donc, on ne peut pas dire non plus, j'aime pas trop cette expression de dire, oui, c'est un manipulateur. D'ailleurs, quand les gens viennent me voir, je suis pas partisane de mettre les gens dans une case. C'est tout simplement qu'on ne peut rien subir. On ne subit pas les choses. On les subit que quand on les accepte. On les subit parce qu'il y a un accord inconscient, certes, mais il y a un accord à donner du crédit à ce que dit l'autre. Alors vous allez me dire, mais enfin, quand j'étais petite, comment ça s'est passé? J'ai accordé crédit. Ben, dans l'impuissance, ça fait partie de la vie. Dans l'impuissance dans laquelle j'étais, pour pouvoir survivre à cette situation et être aimée de ma mère, de mon père, de ma famille, ben, j'ai accepté justement. J'ai dit, ok, j'accepte ce que vous dites et je vais faire au mieux en fait. Mais ça faisait partie de la règle du jeu. Ça faisait partie de l'expérience. Oui, j'y ai acquiescé inconsciemment, mais oui, j'y ai acquiescé. Est-ce que j'ai un jugement à poser à propos de ma famille? Absolument pas. Parce que chaque personne se positionne de manière juste. Si la personne en face de vous vous confère de tels propos, c'est qu'il y a du sens pour lui. Pourquoi? C'est ça que vous auriez besoin d'aller comprendre. Justement, si vous avez envie de prendre soin de la relation, bien entendu. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà jusqu'à là parce que je suis bien partie. Donc en fait, ça nous demande quoi en fait dans tout ça? En réalité, ça nous demande d'avoir la conscience de remettre les choses à leur place, d'avoir du discernement, ça c'est sûr. Le discernement que ce que dit l'autre lui appartient en réalité. Et ce qui résonne chez moi m'appartient en réalité. Et ce n'est pas parce que la remarque et le jugement que je reçois réveillent quelque chose en moi que ça veut dire que c'est la faute de la personne. La personne n'est pas responsable de mes blessures. Et ce qui se vit là, c'est uniquement une blessure qui est réactivée. Cela m'appartient. Les propos que dit la personne, cela lui appartient. Et ce discernement-là nous demande d'être en conscience, en réalité. Mais il suffit juste de cela, en fait, pour remettre les choses à l'endroit, tout simplement. En même temps, apprendre à vous connaître est un élément important, parce que vous ne pourrez jamais, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à reconnaître vos besoins, vos qualités, ce qui est important pour vous, et plus vous serez à même, en fait, de vous positionner par rapport à vous-même, et donc par rapport à l'autre. Et en même temps, cela rejoint aussi ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun a sa vérité. La vôtre n'est pas plus vraie que celle qui est en face de vous, même si ça fait mal. Mais la vérité de l'autre a du sens autant que la vôtre. Et ça nous demande justement d'être, si on a envie de prendre soin de la relation, d'être dans cette tolérance. On peut ne pas comprendre la vérité de l'autre, mais on peut au moins s'ouvrir à l'entendre et à la respecter. Au moins. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je crois que j'ai absolument tout dit. Je suis en train de voir parce que j'ai pris mes notes. Et puis, il y a une expression, c'est très enfantin, mais je trouve ça tellement vrai, qui est « c'est toi qui dis, c'est toi qui es ». Mais enfin, pourquoi on l'oublie? Et effectivement, c'est vraiment ça. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça lui appartient pleinement. Voilà, donc ça c'est aussi… vrai, il y a aussi une chose, c'est que j'aimerais aussi soulever, effectivement, c'est que les gens, j'entends les gens dire souvent, est-ce que je l'ai noté ou pas? Je l'ai formulé autrement, donc je vais vous le dire autrement. Ah oui, voilà.
Il y a une chose qui est importante, c'est que, ah oui, il y a des gens qui ont des réflexions du genre, oui, mais moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus d'accord qu'on me juge. C'est une mission impossible. Mais c'est, vous partez pour être en guerre avec tout le monde. Parce que ça veut dire que à ce moment-là, vous devenez le dictateur de votre propre monde et de votre espace de vie. Ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de penser librement, n'ont pas le droit d'avoir un autre angle de vue que vous, alors que vous-même, vous revendiquez cet angle de vue qui est différent de la leur, de l'autre. Alors pourquoi je dis ça? C'est en réalité que la meilleure façon de sortir de ce jugement-là, tel que c'est là, c'est justement la première chose, c'est peut-être paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai, c'est que c'est d'accepter qu'on puisse vous juger. Accepter en fait que l'autre puisse avoir une opinion fausse de vous. Accepter que l'autre puisse vous voir à bien, vous voir à mal. Accepter que l'autre ait son opinion en fait. Parce que chacun est libre. Chacun est libre de penser à sa façon. Chacun est libre de voir l'autre à travers ses propres filtres. Voilà. Et dès lors que vous accepterez ça, vous ne serez pas en guerre avec les gens. Vous allez tout simplement vous repositionner à partir des propos qui sont dits. Donc en fait, ce n'est pas la personne que vous allez attaquer. Non, vous allez juste remettre en cause le propos qui se dit. Et ça change tout en fait dans la relation que vous allez avoir avec l'autre en fait. Je vous dis ça et je vous précise ça parce que jusqu'au moment où j'ai compris ça, moi j'étais en guerre avec tout le monde justement parce que je n'autorisais pas qu'on puisse avoir un jugement sur moi, ayant tellement souffert de ça quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, j'ai compris la subtilité il y a une subtilité entre la personne et le propos qui est là, en fait. Et du coup, vous pouvez, ok, quand quelqu'un vous aimez justement ce jugement de, vous aimez ce jugement de, tu es compliqué, tu es difficile, ok, si la personne le dit, c'est que ça a du sens. La première chose, si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est repositionnez-vous, posez la question à l'autre. En quoi est-ce que tu dis que je suis difficile et compliquée, en fait? Et vous auriez la réponse de pourquoi elle le dit. Ne le prenez pas pour vous, déjà. Et en même temps, ce qui est important, c'est selon la réponse que vous allez obtenir ou pas, en fait, repositionnez-vous par rapport au dire. Repositionnez-vous, oui, je suis d'accord, non, je suis d'accord. Ce que tu dis là t'appartient. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Je ne juge pas, je ne pense pas que je suis quelqu'un de compliqué et difficile. Généralement, ces remarques-là de je suis compliqué et je suis difficile amènent vraiment, en tout cas moi, de ma propre expérience, c'est la difficulté que l'autre a que vous soyez libre, vous, de penser différemment que lui, que vous puissiez vous positionner différemment de lui. Et c'est ça qui est compliqué pour l'autre. C'est cette liberté que vous prenez, vous, qui est difficile et compliqué pour l'autre. Et ça lui appartient, effectivement. Ça lui appartient de s'ouvrir à être tolérant. Ça lui appartient de ce que ça vous renvoie, ce que ça lui renvoie, le fait que vous soyez libre et ouvert. Voilà. Et en même temps, là, je parle aussi beaucoup de quand on reçoit cette remarque, comment c'est et l'impact que ça peut avoir sur ça. Mais ça amène aussi à être vigilant quand même dans les remarques qu'on peut émettre à l'autre, quoi. Je fais appel à toutes les mères. En tant que moi, je suis mère aussi de pouvoir dire à un enfant, mais tu es vraiment un enfant qui est compliqué et difficile, mais moi, je souhaite que cette vidéo vous permette de mesurer les impacts de ces propos auprès de l'enfant, parce que l'enfant qui reçoit ça dit immédiatement, il saisit l'information parce qu'il n'a pas la capacité et la force d'avoir cette conscience de remettre les choses à leur place, en fait. Et de se positionner différemment, parce qu'il est encore en dépendance vis-à-vis des parents à ce moment-là. Donc ça peut être quand même assez impactant. J'appelle aussi à nous, en tant que frères et sœurs, de ces remarques qu'on peut dire entre nous ou entre amis, effectivement. Au lieu de pouvoir dire tu es quelqu'un de compliqué ou tu es quelqu'un de difficile, hein, c'est difficile d'être avec toi, c'est compliqué, je nous invite juste à prendre la responsabilité de notre propre vulnérabilité, de notre propre vulnérabilité à ce moment-là, juste exprimer, waouh, c'est tellement difficile pour moi quand je vois que tu ne peux pas me rejoindre, en fait, quand je vois qu'on ne peut pas partager ce qui est important pour moi, et j'aimerais tant, en fait, qu'on puisse être ensemble, et parce que j'ai un besoin derrière.
Et en fait, s'ouvrir à cette vulnérabilité, à notre propre impuissance, c'est ce qui nous rend le plus humain en réalité. Donc au-delà du jugement, je nous invite tout simplement à nous ouvrir. Voilà, c'est vraiment ça. Je crois que j'ai envie de terminer sur ça, sur notre propre vulnérabilité, sur notre humanité, sur ce qui fait qu'on peut. Sur ce qu'on désire en fait, sur la manière dont on aimerait rejoindre l'autre et pouvoir exprimer tout simplement notre tristesse quand l'autre ne peut pas nous rejoindre, et ça c'est humain aussi. Mais ça n'a pas le même impact que de poser un jugement vis-à-vis de l'autre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. J'espère qu'en tout cas, elle vous a inspiré, que mon histoire, que le partage de cette expérience, et en tout cas, vous a aidé à ouvrir les yeux, à être vigilant sur les mots qu'on utilise pour prendre soin de la relation avec soi-même et avec l'autre. Et aussi, de prendre soin de soi par rapport aux remarques qu'on reçoit. Et voilà. Je vous remercie infiniment. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont là. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, ou si vous avez des remarques, si vous avez n'importe quoi qui vous a touché dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser les questions et je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.